Mon mari, qui est agriculteur, était assuré donc chez Areas, donc à Château-Thierry, auprès d'un agent qui était malade et donc qui arrêtait son activité. Un jour, donc un inspecteur de la compagnie vient à la maison pour faire le point avec lui sur un nouveau bâtiment agricole. Et voilà, dans la discussion, comme ça, il lui dit, bah, tiens, où est-ce que vous en êtes? Bah non, pour l'instant, on n'a pas de candidat. Et donc, il dit, bah, tiens, vous êtes intéressé? Bah, moi, non, mais ma femme, pourquoi pas? Et donc, en fait, voilà, je suis allée aux premiers entretiens donc avec la compagnie, avec les gens de la compagnie un peu, pas en touriste, mais un peu curieuse, en fait, en se demandant, bah, voilà, est-ce que ça peut être adapté par rapport, moi, à mes compétences et puis à la façon dont je vois les choses professionnellement. C'est sûr que le fait d'avoir une formation, pour le coup, donc en rapport avec le monde agricole, était vraiment enfin, ça a été un atout, en fait, dans le cadre de ce recrutement, puisque donc leur portefeuille que j'ai repris a une dominante, en fait, au niveau de nos clients dans le domaine agricole, beaucoup d'agriculteurs. On va assurer aussi bien donc un agriculteur qu'une entreprise de TP. On va intervenir aussi bien sur la partie prévoyance, c'est-à-dire de se dire bah, au niveau de ses salariés, qu'est-ce qui serait bien de prévoir en cas d'indemnité journalière, en cas d'arrêt de travail, etc. Et on va assurer derrière de vérifier si le risque est bien tenu en termes d'incendie, en termes de vol dans une industrie. Donc c'est vrai qu'on touche quand même à des domaines qui sont très, très différents. L'année dernière, on a eu par exemple un très gros sinistre grêle sur des serres horticoles. Voilà, ça a été vraiment un gros boulot d'accompagnement de l'assuré pour essayer de faire en sorte qu'il soit au mieux indemnisé par la compagnie, parce qu'il y a toute une période de constitution du dossier qui est importante. Aujourd'hui, on est avec un agriculteur qui va bientôt prendre sa retraite et qui va vendre sa ferme, donc qui va vraiment valoriser, toucher un capital important. Donc là, on est plus dans l'accompagnement patrimonial. Donc là, on est vraiment aidé aussi, accompagné par la compagnie, l'accompagnement patrimonial, de lui dire, bah voilà, aujourd'hui, vous allez toucher une grosse somme d'argent. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour vous et qu'est-ce qui est le plus judicieux dans la gestion pour préparer votre avenir, etc. et pour préparer votre transmission. Donc, pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir. Et puis après-demain, on va être voilà sur une boîte de TP en train de voir comment mettre en place un contrat complémentaire santé qui va correspondre à tous les salariés, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des choses tellement variées que pour l'instant, je m'ennuie pas du tout dans mon travail. Et si c'était à refaire, je referais l'IDREA. Volontiers, j'aurais pas fait une formation plus dans les assurances, parce que un BTS assurance, ou après même de faire, il y a une école vraiment plus assurance. Pourquoi? Parce que je trouve que ça m'a apporté une ouverture d'esprit qui est importante, une culture générale aussi qui est importante. Et moi, toute la partie, notamment formation juridique, puisque je m'étais orientée sur le cursus juridique, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui, je pense, m'est d'une vraie utilité aujourd'hui.